les politiques sont des icônes, les recoins de l'insalubre, le tiroir caisse des pièces jaunes, la douleur des responsables, le calvaire de l'eau potable, le partage inéquitable, le royaume des châteaux de sable, les nids de poules en béton, et oui nous nous inquiétons, quand Makaya se frotte le corps avec un bout de poudron, la base des emplois précaires où les endémies sont courtoises, Ubica n'a plus d'équerre mais collectionne les ardoises, l'insécurité farote, c'est 10 000 points de suture, la mairie fait sa popote, pendant la fête des cultures, on y trouve aussi la mafia, les oreilles multimédia, la connexion au débit qui t'amortit dans l'immédiat, les crimes rituels qui terrassent, de Roméo et Juliette, le VIH est tenace, l'amour marche à la braguette, le flux de l'exode rural a des conséquences incendiaires, mais y'a d'or d'un œil quand elle entend gronder le tonnerre, c'est bien. Qui est Lawan? Bon, Lawan est un jeune rappeur gabonais d'origine de Port-Gentil. Ça fait quand même un bon bout de temps que j'exerce dans ce métier-là, du mic. Voilà. C'est un peu moi, quoi. Ok, bon, quand on écoute Lawan, ça nous rappelle un peu un ancien artiste gabonais qui s'appelait également Lawana. Et on a tendance à penser que ou c'est un pseudonyme ou vous avez copié. Alors, d'où vient ce nom et pourquoi ce nom? Pourquoi Lawan? Bon, Lawan, c'est pour la petite histoire, c'est une vieille histoire déjà, ça remonte aux années 2001-2000 à Gamba. Donc un peu un petit tueur, un petit jeune turbulent entre la maison et la rue. Donc j'étais tout le temps cherché par ma mère avec les flics. Donc à chaque fois qu'elle venait à l'école, elle demandait avec mon vrai prénom. Hein, C'est-à-dire, le vrai prénom. Donc c'est comme ça qu'une petite soeur de traduire à maman que non, ici on ne connaît pas comme ça, ici on l'appelle Lawan. Ah, et Lawan pourquoi? Parce que j'aimais bien toujours mimer le gars et tout. Avec oui, vous avez conflits, un peu son allure, la casquette, voilà, la petite barbe. Mon conflit entre la maison et la rue, toujours recherché, toujours les flics à l'école, toujours recherché. Donc c'est comme ça qu'un pote, c'est un peu le baptisé. Lawan, donc moi-même je vais retoucher et en donner Lawan. Lawan avec Et la doc, voilà, avec eux. La doc, ça veut dire. La doc, genre la documentation, parce que en tant que rappeur, je me dois d'apporter, comment ça, une certaine documentation, là. Lâcher les docs, tout ce qui se vit, tout ce qui se passe, voilà, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Ah ok, on aura saisi. Bah, comment avez-vous rencontré Back Attack? Bon, je rencontre Back Attack, c'est ici à Elbeuf. Le canal d'un pote qu'on a en commun, Armand, que j'ai connu à Gamba à l'époque. Quand toi tu rappes, back rap, toi tu tag et tout ça, machin, vous êtes dans le même quartier, vous faites affaire ensemble et tout ça, voilà. J'ai dit, bon, ça me dérange pas. Déjà, ça faisait longtemps que moi dans le bateau, ça faisait un Yamakala que je suis un peu dans l'ombre. Il faut regarder du troisième ou deuxième ou troisième arrondissement, donc voilà. Et je suis la négligée, c'est ça. Ah ok, donc vous avez une relation juste de partenaire. Pas partenaire, on est d'abord deux, on est d'abord frère d'armes, on est soldat du ghetto, terre, on est voisin du quartier,
on partage la même passion, la même vision de la musique qu'on fait, voilà. On a le même rage que tout ça, voilà, exprimé à la République. On a la même rage. En parlant de ras-le-gueule, si vous nous en lisez un peu plus, pourquoi ras-le-gueule et que nous dit ras-le-gueule? Bon, ras-le-gueule, c'est un tube qu'on a conçu, on a mûri, on a voulu exprimer ce que nous, en tant qu'artistes, en tant que jeunes, en tant que citoyens de Gabao, on a voulu exprimer ce qu'on ressent, quoi. Tout ce même ras-le-gueule que beaucoup dans leur maison n'arrivent pas à dire en direct. Comme on dit, pense tout bas et nous on vient dire tout haut. D'accord. Voilà. Et c'est de là où est venu ras-le-gueule. On a juste dit l'actualité, ce que l'on vit, ce qui se vit. Et disons que pour certains internautes, le kiff c'est vraiment un coup de poignard. Voilà, hein, des flèches. On a pu dire ce que beaucoup de rappeurs ici ont peur de dire parce qu'on va les censurer. Ils ne passeront pas la télé, ils ne seront pas vus. On va retrouver leur cadavre quelque part dans un caniveau. Exactement, on voit bien que le kiff n'est pas vraiment médiatisé. Le kiff n'est pas médiatisé. Si vous voulez voir, soit vous allez à Don Check Aboma. Okay. Vous allez sur notre page, boîte à musique. Mais alors, Lawan, si vous nous en disiez un peu plus sur vos aspirations futures, quels sont vos projets? Les projets, maman, les projets, on a tout le barat, que le système nous fait, on a des projets, c'est de sortir notre musique, c'est de faire connaître l'art que l'on pratique, c'est de vendre si possible, puisque nos parents disent que la musique ne vend pas, la musique ne paye pas. Donc si ça pouvait payer, c'est une perte de temps. C'est clé dans le désert ou comme on dit, prêcher dans le désert. Voilà. Mes aspirations, c'est de faire de ma musique quelque chose. Quoi. Pas seulement juste un art que je pratique comme ça, juste pour faire kiffer les frangins. Non, si on pouvait vivre de ça, Dieu merci. Si les droits d'auteur aussi, que beaucoup rappent depuis Niamankala et nous on vient aussi en rap, si ça pourrait se faire. Ok, le langage un peu dur pour certains franchement. Bon écoutez, Lawan et la Doc, ne pensez-vous pas que votre inspiration, votre domaine, est-ce que vous pensez que ça va plus attiser l'attention des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ce qui passe, c'est plus l'afrobeat, la musique de l'Occident, de l'étranger. Et au Gabon, si on écoute un peu de la musique gabonaise, c'est plus dans la tendance de Angie Bling, la musique dansante, avec un peu des pas de bolo, et puis de la jam, du jirio. C'est un peu ça. Alors, si vous venez avec vos styles, raconter, faire ras la gueule, comme vous avez dit, pensez-vous pas que ça va un peu éloigner les jeunes mélomanes? Je sais pas. Bon, nous, à la base, d'abord, on ne fait pas ce que les gens veulent. On fait d'abord ce que nous, on veut d'abord. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est d'abord ce que nous, on kiffe d'abord à la base. Bon, maintenant, avec l'afrobeat, calquer, faire les remixes comme certains sons nigériens, on peut bien le faire. Hein. C'est vrai que ça marche bien. Pour les gombos, surtout, ça marche bien. Déjà que les artistes au Gabon, on vit dans la mendicité. Donc, si les gens, on fait dans le remix, par exemple, je ne sais pas, beaucoup comme certains que tu as cités, voilà, nous on fait d'abord ce qu'on veut, hein, le rap engagé. Oui. Parce que la musique c'est divertir, informer, éduquer. S'il y en a qui divertissent, il y en a qui informent, il y en a qui éduquent. Si en un moment on peut faire tout ça sur un seul artiste, c'est bien beau. Si on peut se diversifier dans un gibling fait dans la mouvance, Bac fait dans l'éducation, moi je fais dans l'information, c'est tant mieux, on se complète. Voilà. On ne va pas faire parce que ce qui marche, on va se prostituer parce que moi je fais dans le rap engagé. Si je vais avoir un peu de gombo, j'ai les poches vides, les caisses sont vides, je vais faire un peu un truc, je prends un son nigérien qui a en ce moment tendance. Je vais prendre ça comme le morceau en ce moment qui fait un peu feu là, c'est quoi déjà voilà, bon bref, on va pas faire de la publicité. Il y a plein là, donc je vais laisser ça aux autres. Mais nous on a les trucs bien conçus, bien écrits, bien voilà. D'accord, d'accord. Et si Lawan là, donc nous donner un peu ses titres qui sont en vogue. Est-ce qu'il a des vidéos déjà sorties individuelles ou bien un single, un album? Non, juste on a ras la gueule. Et pour le premier tube que j'ai fait, je me rappelle à l'époque, Bac rentré à 2h du matin, m'a croisé au quartier, je tentais de faire un freestyle sur France-Afrique. Ça, j'ai fait ça comme ça au feeling. Il rentré à 2h du matin. J'ai posé ça à l'époque dans une radio, ça fait un peu feu. Mais vous savez comment c'est censuré, je parle de la France-Afrique. Donc tout de suite, on envoie ça aux oubliettes à la poubelle. Il n'y a pas de maquis, rien. Mais en vue, il y a un album en vue, il y a un projet en vue en ce moment. Avec la boîte à musique, ça va le faire. Ok, et si. Merci bien pour les questions. Si Lawan essaie de nous donner un petit a cappella, un extrait, un exemple, un freestyle, si on va dire. Je vais faire un freestyle sur le saumon sur lequel en ce moment je travaille direct. Adok Linkomi. Donc ce qui dit ça donne ceci. Minungu no wana rokamba. Wao ne mene miji wando nyani wao mane memburu mrefange gamba. Benungwaye pieza, bende ningo biao poswa. Go!
no wana hokamba wao ne mene mijua do il nani wao male memburu mere fangiramba vindo mwaye pieza vindo ningo biao poswa reti 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 mien 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 mere fangijua makeo mionome makumani miore ancho ancho vis-à-vis pompe autant de jaka okwa rambia mbe kotapa majingi ni rezura sambo neno pio namba uva romboloani arega na bota mboloani mioreti roma mien 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 mboloani otanga no falamane leo e grave anaro we pangini tiers to wako nizizwe depuis qu'il est dadia ikui sao na wani wao ndo ha na zomani wao depuis qu'il est sao azwe simboni sambo ni muna na hoi waki waki za nohoni oh ampanga makalwi nunguna na hoi oh are mama febi nunguna na ncho. Alors, hey. Otizani mbiambe, ibunyanwe, hey. Otizani mbiambe. Alors, hey. Otizani mbiambe, otizani, otizani, hey. Otizani mbiambe. Alors, hey. Otizani mbiambe, ibunyanwe, hey. Otizani mbiambe. Alors, hey. Otizani mbiambe, otizani, otizani, hey. Otizani mbiambe. Bikile dia ondo midene mene, konde mane, aramba midene mye, sifangiza mye, chududu, ahoi na hoi, ahoi na hoi. Ahoi Amungwe, midjeni nkaza Rama mbea ofiza, ewondoza ofiza viza Ampanga modudu makalwi Rema mafevi, anero wazo reti reti Suze bango, sivara zora ndambo Udwana baru tututu Rebongo zono, ikididu kirambo Kutendu ule izingo, ikambisa ni aze jongamo Raningo Amungwe, rombo kwa ete voma Ikini njoroni, arevu ni ringie Ebinde palo, ebinde siko Tate, okilino nero Oh, ampanga makalwi Nungu nana hoi Oh, are mama febi Nungu nana nicho. Alors, otizani mbiambe Ibu nyanwe, otizani mbiambe. Alors, otizani mbiambe Otizani, otizani, otizani mbiambe. Alors, otizani mbiambe Ibu nyanwe, otizani mbiambe. Alors, otizani mbiambe Otizani, otizani, otizani mbiambe. Alors, otizani mbiambe Ibu nyanwe, otizani mbiambe. Dédicace spéciale à Lilia. Écoute. Et pour le monde entier, ils ont tout perdu, je vous assure. J'ai toujours le cœur enseveli. La vie est dure, surtout quand elle est ouverte à la nature. Fuck everybody, nigga. If you want neck phenomenon. Yeah, nigga. Yeah, nigga. Street family street. I'm with my motherfucker brother, nigga. Yeah. Back attack, nigga. Yeah. Fuck you, nigga. Suck my motherfucker dick, nigga. Yeah. Fuck you, nigga. Suck my big dick, nigga. Yes, I, nigga, my nigga. Next phenomenon, Lilia Makata. Fuck that music family.